Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour le papa. Il est 8h, Mathieu dépose son fils Maël chez Nadine Kladen, assistante maternelle à Souffelweyersheim. Pour le papa, ce choix de garde était une évidence. Merci. C'était ce qu'on recherchait, on voulait pas du tout d'une structure comme des crèches par exemple. On voulait vraiment ce cadre qui était très familial. C'est Nina, c'est une troisième mamie. Bonne journée. Nadine, dit Nina pour les enfants, exerce le métier d'amat depuis 12 ans, à la suite d'une reconversion professionnelle. Je voulais faire quelque chose que moi, j'aimerais absolument faire, et donner aux autres. Et donner aux autres, ça passait par les enfants. Tiens, Jojo. L'assistante maternelle a obtenu son diplôme du CAP Petite Enfance et suit encore régulièrement des formations complémentaires. On participe vraiment à son éducation, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où on est sûr, où la famille aussi qui nous accompagne est sûre, ben on se lance, mais par contre, on se forme. C'est un métier où on respecte le rythme de l'enfant. C'est un métier où on est dans un endroit calme. Bon, ça ne l'est pas tout le temps, hein, faut pas non plus... Mais calme et stable. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Ce matin, Nadine emmène les enfants au relais Petite Enfance du village. Un lieu d'information, mais aussi un lieu de socialisation, de découverte pour les enfants. À l'attaque! C'est vraiment important pour eux, et c'est aussi important pour nous, quelque part. Ça nous permet de discuter ensemble, d'avoir des moments de joie ensemble, en fin de compte. Hein. Aurélie et Marie-France sont également devenues amates à la suite d'une reconversion. Un choix qu'elles ne regrettent pas. De les voir sourire, de pouvoir... les voir grandir aussi, parce qu'on fait partie de leur vie. Hein. Ils sont quand même là toute la journée avec nous. Et puis, partager des activités. Enfin, voilà, c'est un tout, c'est un pur bonheur. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, mais l'occasion ne s'est pas présentée à la fin de mes études. Donc, j'ai décidé de faire ça suite à ma reconversion professionnelle. Et en même temps, ça me permet de rester à la maison pour garder mes deux garçons aussi. Donc, je m'épanouis tous les jours dans ce métier. Tu le mets ou c'est Aurélie qui te le met? Aujourd'hui, on va faire de la peinture debout. On a installé un support papier et les enfants vont peindre debout avec des rouleaux, des pinceaux et même les doigts. Voilà. En Alsace et à Souffelweyersheim, le métier d'assistante maternelle est en déclin. Vous voulez faire ce métier ou vous reconvertir? Le relais Petite Enfance saura vous guider.